Il y a 6 heures, il est recommandé que tout le monde pratique 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine, soit 75 à 150 minutes d'activité physique intense par semaine, celle qui vous fait respirer dur. L'équipe recherche à examiner des centaines d'études antérieures les avantages de l'activité physique et a conclu qu'en faisant la moitié la quantité recommandée, 20 cas maladies cardiovasculaires pouvaient être informés et environ un cas 30 cancers. Cela équivaut 75 minutes par semaine ou 11 minutes par jour, vélo, marcher rythme soutenu, courir piste, danser ou tennis. Vous devriez avoir l'impression bouger. Votre cœur battra vite, mais vous ne serez pas nécessairement boursouflé, explique Søren Brage, qui a dirigé recherche. Selon les résultats l'étude, une telle quantité est suffisante pour réduire 17% risque de développer des maladies cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, 7% risque cancer. L'exercice régulier réduit graisse corporelle, pression artérielle, tout en améliorant conditions physiques, sommeil, santé cardiaque à terme. Les avantages de l'exercice étaient encore importants pour certains cancers spécifiques, tels que les cancers tête du cou, l'estomac, leucémie sang, mais faible curson, foie, l'endomètre, colon sain. Tout le monde ne trouve pas facile d'atteindre l'objectif d'exercice recommandé par NHS. 2 personnes sur 3 disent qu'ils font moins 150 minutes modérées par semaine. Moins d'une personne sur 10 parvient faire que 300 minutes. Si vous êtes l'un de ceux pour qui l'idée de pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine est un peu intimidant, notre découverte devrait être une bonne nouvelle, a déclaré Brage. Si vous constatez que 75 minutes par semaine sont gérables, essayez d'augmenter progressivement jusqu'à la quantité totale recommandée.